Tatamayo, Tatamayo, Matera Buntobu. You Matero to his Obamae. Bama Sara Kebe Pum Pum. Bama Satero Dongi Chancharan Chong. Bamba la Boitu. Naomi, tu as oublié la facture de l'électricité. Je n'ai plus d'argent, maman. Ce que j'avais hier, j'ai utilisé pour nous faire manger. Comment ça, tu n'as plus d'argent? Tu as oublié qu'il y avait une facture à régler ici. Hein? Tu peux payer cette facture pour une première fois de ta vie. En passant, je ne suis pas la seule à consommer l'électricité dans cette maison. Mais c'est toi qui travailles. Si mes souvenirs sont clairs, je ne t'ai jamais empêché de le faire. Bonne journée, maman. Et tu me tournes le dos quand je te parle. Ok, vas-y, tu reviendras me trouver dans cette maison. Comme tu penses que nous sommes des co-épouses là. N'importe quoi. Anto, tu vas t'avancer au boulot ici, rejoins, s'il te plaît. Pourquoi? Tu n'es pas un rayon politique? Non, je vais passer par là, rencontrer Naomi et m'excuser pour l'incident d'hier. Donc tu as-tu décidé à la voir avec ton histoire de poisson là? Voilà pourquoi il n'aime pas te raconter mes histoires. Tu es toujours en train d'être transformé en chanson. Ça va alors, ouais. J'apprécie ton courage. C'est comme ça en politique. Le perdant ne s'avoue jamais vaincu. Juste à ce que la prochaine campagne électorale glisse à nouveau entre les doigts. Anto, je suis un gaillant. Oui. Tu sais qui fait le plus de bruit en politique? C'est le perdant. Il inonde la télévision pour montrer au peuple comment ils étaient dupés. Ne parlons même pas des réseaux sociaux. Là-bas, il anticipe la mort des gens. Je pense que la politique de l'opposition en Afrique manque de stratégie. Ils sont présents au même titre que les détenteurs de pouvoir uniquement pendant la campagne électorale. Et pourtant, l'ascension au pouvoir devait se faire avant cette période. Je t'explique. Merci pour ton cours de politique ce matin. On se voit plus tard. Ok. Ok. Ce n'est pas très tôt, là, Jélia. Bonjour, Célia. J'ai été très dure avec toi hier. Entre. On va tout le monde pas causer dehors. Tes cotisations n'ont pas été mauvaises ces derniers temps. Je vois là que tu es à 300 000 francs. Tu sais que tu peux les récupérer quand tu veux. Ok, merci madame. J'aurai besoin de la totalité la semaine prochaine. Waouh, la semaine prochaine? Tu as des problèmes? Non. C'est juste qu'il est temps que j'utilise déjà cet argent. Je l'ai gardé pour ma formation et il est temps que je la fasse. Ok, je suis fière de toi. Je prendrai des dispositions donc pour que tu l'aies la semaine prochaine. Ok, merci. Je t'en prie. Ok, bonne journée. Merci. Je suis moi-même perdue, Jélia. Être enceinte et ne pas connaître quel est le véritable père du fœtus que je porte. Donc tu allais avec tout le monde sans filer le préservatif? Ces vieux n'aiment pas le préservatif. Et ta santé alors? Tu y as pensé? Maintenant que tu es enceinte et que tu ne connais pas le géniteur, que vas-tu faire? C'est une grosse humiliation pour moi, Jélia. Être enceinte à cet âge et ne pas connaître que le véritable père. Je n'ose pas imaginer ce que les gens diront ou penseront lorsqu'ils le sauront. Ils comprendront juste le décret élevé de ton irresponsabilité. Et les serments recommencent.
Naomi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas travailler ici maintenant? Non, non. Je suis venu te présenter mes excuses par rapport à ce qui s'est passé hier. Tu parles de quoi? Que s'est-il passé hier? Ah, cette migraine qui ne me laisse pas tranquille. Je suis juste venu te dire bonjour et savoir comment tu entames la journée. Ok, c'est gentil. Ma journée commence plutôt bien. Naomi, il faudrait qu'on cause, s'il te plaît. Ça tombe bien. Moi aussi, je veux causer. Mais seulement attends d'abord que j'ouvre. Waouh! Un amour romantique ce matin. Que c'est beau. Bonjour, Patrick. Bonjour, Delia. Tu en as mis du temps, toi. Laisse. J'étais avec Celia. Patrick, c'est ça? Oui. S'il te plaît, on remet la causerie. Ok, bonne journée. Copie, tant que tu fais fort. Anto! Anto! Oui, Pat! Mais pourquoi tu cries mon nom? Tu dois me faire laver par un marabout ou un prêtre m'impose les mains. Mais qu'est-ce qui te fait débile autant de bêtises? Je viens encore de manquer une autre occasion avec Naomi. Sois plus clair, mon ami. Laisse la politique. Dis-moi ce qui se passe. Anto, Naomi voulait qu'on parle de nous. De nous, Anto. Lorsque Jelia sort de nulle part et atterrit comme un fantôme. Du coup, tout a été reporté à plus tard. Oh, je te comprends. Comme quand il y a fraude électorale et les élections se voient reportées à une date ultérieure. C'est ça. Encore la politique. Pourtant, je suis sérieux, Anto. Yawan. Oui, le croco. Croco que poigamane. Naomi, qu'est-ce que tu fais? Le temps presse. Angelia, Celia a besoin de nous maintenant plus que jamais. Oui, je sais. J'étais là-bas ce matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus pressé. Faut qu'on parle. Apparemment, on n'est plus en retard. C'est comment avec Patrick? On a déjà parlé de ce sujet. Oui, je sais, mais où en êtes-vous? Ce mec, il est très amoureux, mais je ne ressens rien pour lui. Ne va pas croire que c'est parce qu'il est pauvre. Non. Il est beau garçon, mais c'est pas le genre d'homme à mon goût. Pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas? Pourquoi tu lui laisses faire des illusions pour rien? Bien sûr que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Même la nature n'est pas pour cette relation. Ok, on peut mettre ça. Je peux arranger ça. Oui. Et comment? Je sais où il travaille. Kalebama lana mumar la ep kendem.